Fidèle à sa vocation d'entreprise citoyenne, Sonatrec a procédé à la remise d'un don d'équipements médicaux le 16 juillet 2020 au niveau du magasin central de la pharmacie centrale des hôpitaux. Le don se compose de divers équipements, dont des appareils respiratoires, des lits d'hospitalisation et de réanimation, ainsi que des moniteurs. Cette donation donc est constituée de 23 appareils donc de respiration donc destinés donc à la réanimation, 18 lits donc entre lits d'hospitalisation et lits de réa. Nous avons 10 moniteurs, donc 7 paramètres et 10 seringues électriques. Une contribution qui participera à la consolidation des capacités des différents hôpitaux du pays dans la prise en charge des malades atteints de la Covid-19. Présent lors de la remise du don, le professeur Abdelrahman Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a tenu à mettre en exergue le caractère citoyen de Sonatrec en indiquant que l'entreprise a de tout temps apporté sa contribution au secteur de la santé. Chokran, Seyed Loisir, Chokran, Seyed Reis Moudir Am Sonatrec, Chokran, les Koul Sonatrec. Chokran, Ala. كل القطاعات اللي راهم يساعدونا او معنويين او بكل طريقه لان كما قلتم احنا في الواجهه بصح ماناش وحدنا اوني توس انصامبل فاس ا سيت ايبيديمي وان شاء الله نقضيو عليها وبارك الله فيكم. Pour sa part, M. Abdelmajid Attar, ministre de l'énergie, a quant à lui mis l'accent sur la nécessité de se solidariser avec nos structures de santé, qui demeure la priorité absolue et qu'il y va de la sécurité sanitaire du pays, notamment en cette conjoncture sanitaire. Sonatrec, à la كل حال, هي من اكبر الشركات في البلاد و c'est une société citoyenne. Donc يعني اقل حاجه اللي كانت تقدر ديرها هو مساعده قطاع الصحه خاصه في الظرف اللي رانا عايشينه وين جهه نحتاج الاعانه. La solidarité aussi. La solidarité. On a besoin de la solidarité de tout le monde. Cette opération de don vient ainsi s'ajouter aux nombreuses initiatives prises par Sonatrec en faveur des structures sanitaires nationales, dans la lutte engagée par notre pays contre la propagation de la Covid-19.